Donc moi je vais adopter les méthodes de la discipline par laquelle je me rapproche, c'est-à-dire en table PowerPoint. Et je vais remercier Isabelle, je suis particulièrement sensible à ce tournant pratique dont elle a parlé de la interdisciplinarité. Ce qui me semble qu'effectivement il y a eu, moi je le ressens comme ça, il y a eu un petit peu ce changement de cap vers une réflexion un petit peu en cercle sur qu'est-ce que l'interdisciplinarité à faisons l'interdisciplinarité. Ça me rappelle un collègue géographe qui m'a expliqué qu'il avait mis 4 ans de son étude de géographie à définir qu'est-ce que la géographie et qu'il a mis à faire la géographie le jour où il a arrêté l'étudier. Il y a un petit peu ça avec l'interdisciplinarité, il me semble, c'est que la preuve qu'elle marche, qu'elle est intéressante, c'est qu'on en fait et qu'elle se fait. Donc c'est intéressant, à mon avis, de sortir, de faire cette transition de la théorisation de l'interdisciplinarité à la pratique de l'interdisciplinarité. Et ça, pour ça, je pense que c'est assez inédit, en fait, cette journée où on réfléchit sur la pratique de l'interdisciplinarité plutôt que sur tenter de la définir. Alors, je vais vous faire part un petit peu de ce processus en cours, parce que je suis en train de me contaminer de plus en plus vers une autre discipline, pour vous partager avec vous donc, un petit peu mes doutes, ce qui marche, ce qui marche moins bien, etc. Alors, pour moi, la valeur de l'interdisciplinarité, elle est venue de façon immédiate, parce que c'est pas tellement moi qui suis allé à l'interdisciplinarité, c'est plutôt l'interdisciplinarité qui est venue à moi, c'est pas un truc mystique. Juste qu'effectivement, comme tout le monde l'a rappelé, quand on prononce le mot écologie, on prononce le mot biodiversité en crise, on fait surgir des problématiques socialement vives, gorgées de normes, de valeurs, des processus politiques. Il suffit de faire un tout petit peu l'histoire du terme écosystème pour voir que c'est une conceptualisation de la nature qui est complètement imbriquée avec l'économie et la politique américaine. Et donc il y a tout à coup une ouverture qui se fait dès qu'on interroge non pas les problèmes, mais les problématisations. Et cette façon d'avoir un peu de réflexivité sur ces propres données. Donc, tout d'un coup, ça m'a semblé absolument évident et je me suis fait contaminer par cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que je me suis dirigé petit à petit vers l'histoire et la philosophie des sciences. Donc, d'une certaine façon, je dirais que la façon de faire l'interdisciplinarité, c'est effectivement de revenir à cette notion d'oïkos de l'écologie ou de voir l'écologie comme la science des interactions. Bah, allons-y, faisons les interactions jusqu'au bout, posons-nous qu'est-ce que l'écologie de l'écologie. Le scientifique lui-même, avec qui il interagit, il décrit les interactions des espèces avec l'environnement, mais lui-même, quel est son environnement social, institutionnel, quelle est son histoire. Donc ça ne me semblait pas forcément, enfin, finalement assez naturel de faire cette écologie au carré. Par contre, je dirais que, d'après moi, c'est vraiment une question d'affinité électrique, c'est-à-dire que, comme ce qui a été dit auparavant, c'est pas quelque chose qui n'est ni nécessaire ni suffisant. C'est un petit peu un luxe ou quelque chose qui est venu comme ça, et donc on a du mal à se défaire, mais ma foi, ça me semblerait assez étrange de forcer l'interdisciplinarité ou de la penser comme absolument nécessaire. Parfois elle l'est probablement, mais dans pas mal de cas, il n'y a pas besoin nécessairement d'être diminué. Alors, comment ça s'est passé? Il faut se mettre au travail, quoi. C'est-à-dire que vous moi, bon, ce que Denis a mentionné comme étant 3 siècles d'isolement des sciences d'un côté et des sciences de la nature de l'autre, donc lui, il suffit de traverser la route, parce que l'université est coupée en deux par une route. Il y a les sciences d'un côté et les lettres de l'autre. Il y a la route de Mantes qui coupe les deux, c'est assez caricatural. Et donc j'ai fait ça, je suis allé voir mes collègues en philo des sciences, et je leur ai demandé par quoi commencer. Donc ils m'ont dit par le commencement, c'est-à-dire qu'elle commence par une formation en philo des sciences. Donc je me suis inscrit en master, et je prolonge actuellement en doctorat sur la philo-écologie. Alors là, je vais faire un point, c'est le fait que, je vais peut-être aux étudiants qui se posent la question, c'est pas insurmontable, dans le sens où je pense que j'aurais beaucoup plus de mal aujourd'hui à réinvestir des champs de la discipline de base, c'est-à-dire de l'écologie, que de plonger dans la République de Platon. Effectivement, les gens de discipline de l'écologie, par exemple, ne se posent pas la question de la difficulté quand il s'agit de faire des statistiques de haut niveau, de reprendre à zéro le SIG ou d'envisager des calculs très compliqués alors qu'ils n'ont jamais fait. Donc il y a un travail à fournir, mais il n'est pas forcément plus difficile que de se former à des choses qui concernent notre propre discipline. Donc il y a la possibilité de travailler notre discipline. Par contre, la conséquence, plutôt la
condition de possibilité pour ça, c'est d'avoir le sein. Donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup rappelé. Et l'histoire de s'inscrire dans une formation qui permet d'eux, c'est pas pour le fun ou pour avoir un concours d'érudition et d'accumuler des diplômes, c'est juste que ça crée justement un espace-temps nouveau qui va faire qu'on va lire, qu'on va se poser, et qu'on va faire justement ce qu'on a tendance à ne pas faire, c'est-à-dire prendre du temps de penser. Donc de faire cette formation en master de philosophie des sciences, ça m'a permis de rencontrer des nouveaux auteurs, des nouvelles méthodes d'analyse des discours, des professeurs en philosophie qui étaient intrigués par ma démarche, etc. Donc, tout d'un coup, il y a un réseau qui s'ouvre et qui se dessine. Et on distingue quoi, enfin on s'aperçoit de quoi, c'est que si on a des difficultés, il suffit de changer de porte et de rencontrer finalement des gens qui sont très favorables et qui accueillent ce genre de démarche. Je veux dire par là qu'au sein même de la philosophie des sciences, on s'aperçoit qu'il y a une hétérogénéité extrême, la même qu'au sein de l'écologie scientifique, et que certaines approches en philosophie trouvaient ça absolument original, exotique, de vouloir aborder la philosophie de l'écologie, alors que d'autres sont complètement ouverts, notamment donc, la discipline que j'abordais moi, qui est la philosophie des techniques, qui réfléchit justement à cette interaction entre sciences et société, notamment qu'est-ce que le régime de technosciences a changé de notre conception de la nature, etc., sont complètement ouverts et habitués à travailler avec les scientifiques, et eux aussi ont connu un tournant pratique. Donc j'étais plutôt agréablement surpris et réconforté de voir que aller vers la SHS, c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas du tout être dans les bibliothèques, mais c'est aussi retourner dans le laboratoire et faire une philosophie, non pas des sciences surplombantes, mais au contraire pour les sciences et avec les scientifiques. Par contre, il faut taper aux bonnes portes pour rencontrer ces gens qui ont cette sensibilité. Donc voilà, je continue un petit peu mon projet d'auto-formation un petit peu en philosophie des sciences, et en pratique, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait nous faire de façon solitaire. Ça n'avait aucun sens de faire cette formation simplement pour accroître ma mallette d'outils d'analyse de la complexité de cet écosystème, mais qu'en revanche, ça avait tout de suite du sens de s'entourer de gens capables de m'aider dans cette démarche. Donc j'ai travaillé avec des philosophes des sciences, évidemment, des gens qui travaillent plutôt en éthique environnementale, et puis on a pris le risque. Alors c'est là où je voulais aborder un point qui était déjà aussi mentionné. On a pris le risque de co-encadrer des étudiants en thèse sur l'interdisciplinarité, et on a rencontré un peu les mêmes problèmes que vous avez rencontrés, c'est-à-dire, parfois là, moi je tremble, hein, alors, cette droite de l'oublier que j'ai dans la salle qui est demain, on en parle souvent, je tremble à l'idée de savoir vers quoi elle va pouvoir se diriger avec une thèse qui aborde l'interdisciplinarité de front. Pour moi, c'est un vrai problème de responsabilité là sur la trajectoire possible d'un étudiant qui se lance avec beaucoup de risques dans ce type de recherche. Pourquoi ? Parce que ce qui a l'air de mieux marcher, en tout cas la culture est tellement ancrée, la culture disciplinaire est tellement ancrée, c'est de d'abord faire ses gammes et d'abord de montrer qu'on est complètement au sein d'une discipline pour s'ouvrir ensuite. Et d'ailleurs, il me semble que dans la section interdisciplinaire du CNRS, il ne s'agit pas de montrer qu'on touche un peu à tout, c'est pas du tout ça la vision de l'interdisciplinarité, c'est de dire j'ai fait mes preuves et je suis complètement clair sur quelle est la discipline que je défends, mes méthodes, mes concepts, par contre, je m'ouvre vers autre chose. Et à ce titre, de se lancer d'entrée de jeu dans des thèses interdisciplinaires comporte un risque, à mon avis, énorme. Pour moi, c'est une grande limite. Alors, il y en a une autre qui n'a pas été vraiment abordée, c'est Isabelle qui en a un petit peu parlé, c'est sur les aspects émotionnels. Il me semble avoir rencontré, alors ça, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, une difficulté un petit peu inhérente à ce genre de démarche, qui est de tomber sur un certain nombre de caricatures sur qu'est-ce que c'est que les SHS ou qu'est-ce que c'est que l'écologie scientifique. Comme s'il y avait d'un côté un ramassis de scientistes qui n'étaient pas capables de lire ou d'écrire, et de l'autre côté des gens qui pensaient que la vérité n'existait pas et que le réel c'était une invention. Autrement dit, il y a comme des schismes comme ça qui perdurent, qui héritent de cette nouvelle culture qui sont très forts, et qui fait que par exemple, aller vers des approches en philosophie des sciences pouvait être perçu comme surplombant justement quelqu'un qui était à
prendre non pas de la distance, mais de la hauteur, vous voyez, c'est-à-dire à juger le travail des autres. Alors que ça demande énormément d'efforts dans ce type d'exercice pour expliquer qu'il ne s'agit pas du tout justement de surplomber quoi que ce soit. Et inversement, il me semble qu'il y a un manque cruel de culture scientifique chez les gens qui prétendent faire de l'interdisciplinarité du côté SHS. Moi, j'ai été assez frappé de voir le manque de culture scientifique des philosophes des sciences, par exemple, sur un certain nombre de concepts où, finalement, on avait envie de les faire venir dans le laboratoire pour partager l'expérimentation d'une expérience scientifique, des concepts, du doute qui règne dans les laboratoires, etc. Donc, heureusement, moi je pense que je suis dans cette frange de la philosophie des sciences qui prend ce pari d'une philosophie pratique. Le but, c'est de travailler dans les laboratoires et avec les chercheurs, et non pas de façon séparée. Alors, les conséquences de cette formation en cours, hein, je vous l'ai dit, c'est pas encore complètement terminé, je suis en quatrième année de cette formation. C'est un point que je voulais faire et qui n'a pas été vraiment abordé. C'est, à mon avis, que ça ouvre quelque chose qui est de l'ordre de nouvelles capacités négatives. Plus de confusion, plus de complexité, plus d'ignorance et moins de solutions. Moi, je ne vois pas dans l'interdisciplinarité autre chose que quelque chose d'absolument essentiel pour moi, hein, ça a été redit avec la CERN ou certains, c'est qu'il y a effectivement plus de confusion, mais une confusion qui est absolument nécessaire parce qu'elle résulte de la nuance, de la réflexivité, de l'apport d'éclairage différent, et en rien ça n'apporte des solutions, si ce n'est de voir les solutions comme une façon de poser les problèmes plus riches. Donc à mon avis, l'interdisciplinarité a comme vertu de réintroduire ces capacités négatives, c'est-à-dire de la conflictualité, la tendance à réduire la formation, de la confusion, la pensée que tout était absolument dit et redit. Donc moi, ce que j'aime dans cette approche-là, c'est précisément cette culture de la confusion. Maintenant, comment faire pour que ça soit un petit peu plus développé et plus reconnu? Alors, à mon avis, c'est continuer à faire ce qui est déjà pas mal fait. Je partage assez mon avis qui suppose que ce n'est pas une résistance institutionnelle. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir la possibilité d'en faire, en fait, de l'interdisciplinarité. La preuve, c'est qu'elle se fait, quand même une dynamique assez forte. Par contre, je voudrais poser le problème qui n'a pas été évoqué, de la temporalité. À mon avis, j'ai souffert d'en avoir fait aussi tard, dans le sens où des modules d'enseignement qui réinjecteraient de l'histoire et la philosophie des sciences ou des éclairages différents au niveau de licence master me semblent absolument essentiels. Et tout se passe comme si, dans cette spécialisation qui sont les nôtres, dans cette façon de se spécialiser, on découvre tout d'un coup qu'il est intéressant de questionner sa pratique très tard dans la recherche. Alors qu'on a des étudiants qui sont passionnés par ça, en réalité, dès qu'il s'agit d'histoire des sciences, les étudiants à court hein, sont très intéressés par ça, qu'il y a un manque, à mon avis, d'offres en termes d'enseignement là-dessus. Si on prend le parallèle avec la médecine, il y a eu un changement assez récent où les étudiants en médecine font de l'éthique très tôt maintenant au niveau de leur enseignement. On s'est aperçu que de s'intéresser à la personne humaine, c'était absolument essentiel pour être praticien avant d'être praticien en tout cas. Donc, à mon avis, là, il y a un effort à faire, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, et c'est pour ça que les enseignants-chercheurs, en plus, doivent être absolument partie prenante de l'enseignement de cette culture-là, c'est-à-dire de la réflexivité sur ses propres objets.